Allez, salut à toi et bienvenue sur Fitness Pierre Voisin, donc coach sportif à domicile. Alors aujourd'hui, cuisses, abdos, fessiers les amis. Donc vous avez besoin d'un tapis de sol, on le fait sans matériel. Donc il y a une petite vidéo échauffement en haut dans la description. Allez, on y va, let's go, vous êtes chaud? C'est parti. Alors on va commencer pieds larges, jambes écartées, pointe de pied, ouvert vers l'extérieur, vous avez le dos droit, vous regardez loin devant vous, les abdos sont serrés et tu descends 4 temps. Donc 4, 3, 2, 1, les fesses sont au niveau des genoux et tu remontes 4, 3, 2, 1, ok. Quand tu descends, tu amènes les genoux vers l'extérieur, hein. Les fesses au niveau des genoux, le dos droit, je le répète, regarde loin devant toi, ça permet d'avoir le dos droit, sors la poitrine, encore, donc on remonte, 4, 3, 2, 1, encore, donc on va redescendre 4, donc là on travaille vraiment l'intérieur et l'extérieur des cuisses avec un impact sur les monnaies, donc vraiment des fessiers jusqu'en bas. On va bloquer sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu remontes. Et on va redescendre sur 4, 3, 2, 1. Et là, on va encore bloquer sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et remonte, relâche. Allez, check. Donc on va travailler un autre groupe musculaire, mais toujours sur vos jambes. Donc là, on était sur l'intérieur, l'extérieur des cuisses. Donc là, on va vraiment travailler plus la partie quadri devant des cuisses. Donc pour ce faire, vous venez pied, largeur de bassin, largeur de hanche. Toujours de droit. Les mains devant toi pour l'équilibre, les talons ancrés au sol. Et remonte sur 4, 3, 2, 1, tu souffles. Encore, descends 4, 3, 2, 1, encore, remonte, 4, 3, 2, 1. Quand tu descends, laisse pas partir les genoux devant, hein. Pour tes articulations, pour protéger les articulations, je veux pas voir ça quoi. Vraiment les genoux au-dessus du talon. On tient encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, remonte. Donc là tu le sens, hein, l'impact sur le devant des cuisses, les quadris. Allez, on va refaire encore ceci. Descends 4, 3, 2, 1, et tu bloques sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, remonte. Allez, check. Allez, fais circuler le sang dans les jambes. On relâche. Parfait. On va mettre la pointe de pied comme ceci, décoller le talon. Et on va descendre sur la jambe opposée, ok? Pareil, tu descends. 4, 3, 2, 1. Et remonte. 4, 3, 2, 1. Donc là, il y a plus d'impact. Le fait d'avoir qu'un appui, hein, vous sentez un peu plus l'impact sur la jambe d'appui. Encore. Redescends. Le talon bien ancré au sol, dos droit, on tient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et remonte. Change de jambe. La jambe opposée est fléchie, le talon décollé. Allez, tu descends sur l'autre jambe, 4 temps, ensemble. 4, 3, 2, 1, encore remonte. 4 temps. Encore, redescends 4, 3, 2, 1, tu bloques, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Et remonte. On le fait encore une dernière fois. Tu descends. 4, 3, 2, 1. Et bloc sur 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remonte. Allez, relâchez. Relâchez. Tu vas décoller les talons. Mettre les bras devant. Tu descends 4, 3, 2, 1. Et remonte. Encore. Décolle les talons à l'arrière. 2, 1. Souffle et remonte. Ouais, ça fait perdre l'équilibre. Essaye de tenir. On travaille en profondeur. Il y a un gros impact sur le mollet. Encore. Allez. Dernière fois. Soufflez. Et remonte. On a fait l'intérieur. L'extérieur des cuisses. Impact sur la partie quadri, le devant. On va faire l'intérieur. Tu amènes les jambes très très larges. Pointe de pied ouvert vers l'extérieur. Dos droit. Allez, tu serres bien les abdos. Et tu descends. Tu bloques. Tu bloques en bas et on fait 8. 7, 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et remonte. On va le refaire encore une fois. Tu bloques en bas sur 8. Ensemble 4. 3, 2, 1. Redescends. Allez, toujours la bonne posture. Le dos droit, serre bien tes abdos. Sors la poitrine. Regarde loin devant sans l'impact. Sur l'intérieur des cuisses. Si tu vas un peu plus impact, tu amènes les genoux vers l'extérieur. Regarde, fais-le. Amène les genoux vers l'extérieur. Tu vas sentir que ça tire sur l'intérieur des cuisses. Allez, encore 4. 3. 2, 1, et stop, remonte, relâche. Allez, relâchez, stop, check, check, check. On va passer à vos abdos. Donc tapis de sol, on descend d'un étage. Et profitez pour boire hein, des petites gorgées pendant les phases de transition. Ok. Donc sur le dos. Les jambes au-dessus de toi à 90 degrés, lombaires plaquées, abdos serrés. Donc c'est ce qui permet hein, de plaquer les lombaires. La position de chaise renverse est en sécurité pour les abdos. Tu vas lever le buste, lever ta jambe gauche et petit en haut 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, tu reposes. Tu vas faire la même chose avec la jambe droite. Donc tu vas la tendre au-dessus de toi. Ta jambe gauche est à 90 degrés. Les deux mains au-dessus, lève. Hein, tu peux aller au tibia comme ça. Hein. Si tu peux, tu viens toucher coup de pied. Mais le plus haut possible. Encore 4, 3, 2, 1. Et reviens. On va alterner. Gauche. Pli. Droite, tu tends. Lève. Et plie. Encore. Gauche. Lève. Touche. Pli. Droite. Touche. Redescends. Encore. Gauche. Et droite. Gauche. Redescends, encore. On en fait encore 4. 3. Redescends. 2. Redescends. Et 1. Et stop, vous relâchez. Alors, on va faire un petit peu de gainage. Donc, le gainage, on travaille en profondeur
la partie des abdos, des tablettes de chocolat, et c'est ce qui permet d'avoir le ventre plein. Donc vous vous mettez en appui sur les coudes, donc vous pouvez tendre les jambes, c'est ce qu'il y a de plus dur, et poser les genoux comme ceci, ça travaille quand même, et vous aspirez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Tu regardes à 10 cm devant toi pour avoir les cervicales dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Ok, donc la position est parfaite pour tout le monde. On peut tendre les jambes si vous le pouvez et on tient. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop, tu reposes. On va le refaire encore une fois en 4. 3, 2, 1, allez, tu tends les jambes, allez, on tient sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, repose, relâche, allez, on va repasser sur le dos. Donc toujours la position de sécurité. Chaise renversée. Donc la chaise, position de chaise renversée, lombaires plaquées, abdos serrés. Tu vas mettre les deux mains de chaque côté, lever le buste, tu vas incliner, toucher la cheville, revenir au milieu, de l'autre côté. Donc là on travaille vraiment la taille. Et un peu le grand droit hein, en levant le buste. Encore. Donc 8. 7. Soufflez. 6. Reviens milieu, 5, milieu, 4, 3, 2, 1, et stop, tu relâches. Allez, repose, soufflez, récupérez. Vous mettez les mains comme ceci, au niveau de l'arrière des oreilles, vous allez lever le buste, toucher avec vos coudes, les genoux, et on le fait sur 8, 8 sauts, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, tu reposes, tu relâches, tu amènes les bras ancrés au sol, plaqués au sol, le buste est plaqué au sol, tu lèves légèrement le bassin, tu reposes, on en fait 8. Là, on travaille le bas des abdos. Encore. 7. Il n'y a pas besoin de le lever très haut. Si tu n'arrives pas à lever ton bassin, tu fais action de lever, ça travaille. Encore. 4. 3. 2. Et 1. Et stop, tu relâches. Allez, tu vas poser les pieds. Donc ta jambe droite, ton talon est près de la fesse. Ta jambe gauche est tendue au-dessus de toi et tu vas venir toucher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repose. Change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, repose. Tu vas changer de jambe, toucher, reposer, amène à ras du sol et reviens. Touche, repose, à ras du sol et reviens. 1, 2, 3, soufflez, 4, allez encore, 5, 6, 7, et 8, stop, je repose, fais la même chose de l'autre côté,
touche, ras du sol et reviens. 1. 2. 3. Pose bien tes bras au sol, ancré. Encore. 4. 5. 6. 7 et 8 et stop, relâchez. Allez, vous soufflez, vous récupérez et on va juste faire un petit peu de taille, un petit peu de taille avant de passer au fessier. Ok, alors on va se mettre sur le côté. Les jambes sont légèrement devant soi, hein, donc toujours la position de sécurité, j'insiste, les jambes devant soi, c'est pour pas cambrer le dos. Vous levez les deux jambes décollées du sol et petit, t'en fais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu ramènes tes deux genoux, tu tends et t'en fais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, repose. On va le refaire encore une fois. Lève tes jambes et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ramène tes deux genoux, tends et on en fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop. Alors on va se mettre de l'autre côté. Donc pour travailler le côté qu'on vient de travailler en fait en gainage. Donc tu vas te mettre comme ceci. Tu vas te mettre les jambes pliées, les genoux posés au sol. Tu vas décoller les fesses, le bassin vers l'avant. Et tu vas tenir 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, et si tu peux, tu décolles la jambe d'en haut, et on tient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et repose. Tu vas tendre les deux jambes devant toi, tu restes de ce côté, on travaille l'autre côté, ok? Tu décolles les deux jambes, petites maintenant ensemble. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu ramènes genoux, tu tends et on en fait encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Genoux. Tends les dernières. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu reposes, tu relâches, et comme tout à l'heure, donc gainage de l'autre côté, latéral, pour travailler l'autre côté. Donc celui qu'on vient de travailler en fait. Hein. Donc les deux genoux sont pliés, tu poses l'avant-bras, tu décolles les fesses et on tient 8, 7, 6, 5, 4, le bassin bien vers l'avant, 2, 1, décolle la jambe et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop, repose, relâche. Allez, on va passer à vos fessiers. Tu restes sur le dos. Donc, les talons près des fesses. Ok, on va mettre les bras ancrés au sol. Tu lèves le bassin vers le haut. On fait une rétroversion et tu redescends. Encore, lève, descends.
descend, encore, lève, lève, descend, descend. Donc là, on travaille vraiment la partie grand fessier, hein. On travaille votre courbe ici, encore, descend, descend, lève, lève, descend, descend, encore. Top, tu vas bloquer en haut et 8 petits en haut, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu reposes. On va faire la même chose avec la cheville posée sur le genou. Tu gardes bien ton bassin dans l'axe, hein, ok. Tu lèves, lève, descends. Descends, lève, lève, descends, descends, lève, lève, descends, descends, encore, lève en haut et petite, 8, 7, 6, décolle un peu tes orteils de ta jambe d'appui, encore, 4, 3, 2, 1, et stop, propose. Tu vas faire la même chose de l'autre côté. Donc, la cheville sur le genou. Le talon est près de la fesse. Tu lèves. Lève. Descends. Descends. Toujours en appui sur le talon. Descends. Encore. Rétroversion, le bassin vers l'avant. Essaie de bien le garder dans l'axe. Ne décale pas. Encore. Les bras sont ancrés au sol. Descends. Descends, stop, tu bloques en haut et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, redescends, relâche. Allez, on va se mettre sur le côté. Travaillez l'autre partie, il y a trois groupes musculaires hein, sur la fesse. Donc grand fessier, petit, moyen, fessier. Donc là, on fait l'autre groupe musculaire. Donc bah, tu peux rester comme ceci, limite fléchir la jambe d'en bas. Tu amènes la jambe bien devant, pointe de pied inclinée vers le bas et petite. Là, on travaille vraiment le côté de la fesse, le creux ici. On va vous le dessiner. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, pointe de pied inclinée vers le bas. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dernières, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu bloques et relâche. Allez, la même chose de l'autre côté. Donc ta jambe d'en bas est pliée, tu peux la garder pliée. Amène devant, pointe de pied inclinée vers devant. Bien devant, bien devant, bien devant. Et petite maintenant. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les dernières, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu bloques, 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 et repose, relâche. Allez. On va s'étirer, jambes tendues, restez assis hein, sur le tapis, on va profiter du tapis, de votre tapis seul. Pour les étirements, très important, cela permet de remettre vos fibres musculaires à leur place initiale. Ça atténue les courbatures, ça évite les blessures. Inspire, grandis, va chercher loin, tu peux attraper le bout, tes orteils, incline le buste. J'en profite les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, allez-y, c'est gratuit, vous recevrez toutes mes vidéos le samedi. Sans oublier d'appuyer sur la petite cloche. Et il y a un petit bouton rejoindre à côté de s'abonner, c'est pour du coaching personnel. Voilà, ça c'est fait. Allez, le petit pouce bleu, ça aussi c'est gratuit, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, hein. Allez, on est assis, cheville sur le genou, on étire les fessiers, dos droit, sortez la poitrine, la santé
Tu amènes bien ta jambe, ton genou vers l'extérieur. Et relâche de l'autre côté. Allez, cheville, genou. Sors bien la poitrine, les mains à l'arrière, les phalanges de l'autre côté. Soufflez. Et relâche. Allez, on va se mettre sur les genoux. Inspire, grandis, va chercher. Oh. Relâche tout le dos, la colonne. Expire, relâche. Allez, jambes devant, jambes d'appui devant. Amène le bassin vers l'avant. Toujours le dos droit. Hein, pour étirer le psoas. Tends la jambe. Les deux mains de chaque côté, incline le buste. Là, ça étire l'arrière de la cuisse ici au jambier. Et relâche. Allez, la même chose de l'autre côté. Jambes devant. Le bassin devant vers le bas. Poitrine sortie. Tends la jambe. Les deux mains de chaque côté. Donc l'arrière de votre cuisse. Plus tu descends bas, plus ça va tirer. Relâche. Allez, on va se mettre en appui sur vos orteils. Les fesses sur les talons. Les deux mains de chaque côté. Et on va dérouler tranquillement, tranquillement, piano, piano, vertèbre après vertèbre, lombaire, dorsaux. On termine par les cervicales. On est jambes écart. Inspire, grandis. Va chercher haut. Bon, j'ai été ravi d'avoir fait ce cours avec vous, en tout cas, les copains. Expire, relâche. Je vous dis à samedi. Allez, sur ce, objectif, volonté et résultat. Ciao.